C'est pour tenter de réduire le taux d'importation du riz au Gabon qui se lève à 95% que le programme national de sélection et d'amélioration variétale et production de semences a vu le jour en 2018. Des années après son lancement, c'est aujourd'hui l'occasion pour le docteur Yonel Mukumbi, porteur du projet, de faire le bilan de ce programme. Les résultats que nous avons eus après 7 ans de travail acharné continu au niveau de la station des écoles de Kougouleux. Donc nous avons 5 variétés qui sont prêtes pour l'homologation, c'est-à-dire c'est des variétés avant d'être produites de façon importante doivent avoir le quitus, un label. Donc c'est ce label-là que nous demandons pour valoriser tout le travail qui a été fait. Aliment de base dans les assiettes gabonais, le riz coûte pour son importation à plus de 41 milliards de francs CFA selon le Conseil gabonais des chargeurs. Cette rencontre vise donc à trouver des pistes et solutions pour sortir le pays de cette dépendance et c'est sans compter sur l'expérience sénégalaise. Avec le Gabon, nous pouvons échanger du matériel végétal. Nous pouvons aussi accueillir des chercheurs gabonais au Sénégal. Des chercheurs sénégalais aussi peuvent venir ici pour que dans le cadre de ce brassage, qu'il y ait des réflexions concertées, des prises en charge concertées sur des problèmes déterminés. Produire et disponibiliser les semences de qualité des principales cultures maraîchères, vivrières et industrielles, c'est le principal objectif de cette journée de dégustation du riz Made in Gabon, parrainée par la présidente du Sénat, portée par son porte-parole. Je voudrais à cet égard appeler à l'attention du gouvernement sur l'urgence de se saisir de ces résultats pour lancer l'industrialisation de la filière riz, la vulgarisation de la culture du riz au sein de nos communautés locales. Pour la deuxième et dernière journée de ce grand événement, toute la délégation présente se rendra jeudi dans la ville de Kougouleux, dans le département du Komo, pour la visite des plantations du riz couronnée par la dégustation du 100% Made in Gabon.